Aujourd'hui, je pars pour l'Italie, mais actuellement, je suis en Allemagne, à Francfort, où j'ai passé une demi-journée et mangé une petite choucroute. Hier, j'étais à New York, aux États-Unis, et pendant 3 jours, je fais 4 pays. Je vais direction la France, mais vraiment pour pas longtemps. Je passe une nuit et ensuite, je vais direction Paris pour prendre l'avion, aller direction en Italie, à Venise. Là-bas, je pars avec Samsung. On va y passer 2 jours où on va apprendre énormément de choses. Je vais rejoindre du coup une personne de mon agence, mais aussi Jonathan Bertin, un photographe que j'admire et dont j'adore le travail, que j'avais croisé à un événement de Dior où on était invités tous les deux pour Noël l'année dernière. Il y aura aussi Vituara, c'est un photographe de dingue. Le mec a le compas dans l'œil et j'ai l'impression qu'il a une matrice pour détecter la meilleure optique avec le meilleur cadrage en temps et en heure. J'ai beaucoup à apprendre de lui, je pense. Il y a aussi 3 autres créateurs que je n'ai jamais croisés, mais qui ont l'air plutôt sympathiques. Il y a Léa D'Angelis, qui elle est styliste et photographe. Il y aura Clémentine YouTube, qui elle est chanteuse. Et aussi le Move de Léo, qui les accompagne, qui est un sportif. J'ai hâte de les rencontrer. Je pense que je vais beaucoup apprendre de ces 2 jours. Bref, je fais une petite escale à Lyon et ensuite, je vais me coucher pendant 2 heures pour repartir direction Paris. Le jet lag plus la fatigue, ça commence à taper. Et il faut que je sois opérationnel pendant cette journée à Venise, donc j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Surtout que le cadre est incroyable et j'ai personnellement envie d'en profiter à fond. Bref, arrivé à Venise, il fait beau, il fait chaud et on prend le bateau directement. On vient d'arriver à l'instant à Venise et là du coup on est dans le bateau pour aller direction l'hôtel et manger. Et franchement là c'est d'entrée, c'est trop cool. Le cadre est vraiment atypique. On va direction l'hôtel, on va manger et ensuite on va passer la journée dans les rues de Venise pour photographier avec nos téléphones. Le Samsung Galaxy S23 Ultra, qui est vraiment une bête de compétition qui se range dans ta poche. Et on va vraiment, vraiment beaucoup marcher. J'ai fait vraiment, je crois, la pire erreur. C'est d'avoir des Doc Martens aux pieds. Parce que mes pieds, ils tiennent pas, ils sont en sang et j'avais que ça dans ma valise. Plutôt frizzante. Je suis parti 4 mois et c'est vraiment une des seules paires qui me reste. Bref, la fatigue, pour moi, commence à taper très très fort. Je commence à m'endormir, mes paupières tombent et la fatigue passe dans toutes mes veines. Il est temps pour moi d'aller me coucher parce que demain je rentre en France après 4 mois de périple autour du monde. Et j'ai des vidéos à vous sortir tous les jours parce que j'adore ça. Vous êtes à peu près 400 à les suivre tous les jours et j'espère que ça vous fait kiffer. Bref, je vous dis à demain et puis profitez bien de votre journée. Allez, bisous, ciao.